Bonjour et bienvenue pour ce deuxième épisode bonus. Nous sommes le mardi 14 février. Aujourd'hui, c'est la fête des amoureux, de tous les amoureux. Et tel un cupidon que je suis, je vais aider les plus démunis de l'amour, pour essayer de les aider dans leur quête pour l'amour. Oui, l'amour. Et déjà, nous avons eu un magnifique cadeau, comme vous pouvez voir ici dans ma main. Oui, ce magnifique cadeau, par ce merveilleux squelette déprimé, je crois que c'était ça comme il s'appelait, afin de l'aider à chasser les racailles pour qu'il puisse aller déclarer sa femme à un humain. Oui, je ne sais pas comment cet humain va le recevoir. Ah, est-ce que c'est moi l'humain en question? Oh, je ne sais pas, mais je ne suis qu'un cupidon, en tout cas. Donc, pour cet épisode, nous allons faire une deuxième quête, et puis demain, pour le mercredi 15, nous allons faire la troisième, qui est juste en face, le creeper triste. Le zombie en pleurs, allons le voir. Oh, tu as l'air bien déprimé. D'accord, bon. Peut-être qu'il faut d'abord faire l'autre quête pour débloquer celle-ci. Donc si on fera celle-ci demain, ce n'est pas grave, il n'est pas très bavard celui-ci. Ce n'est pas grave. Allons voir l'autre, le creeper triste. Bonjour petit creeper, comment allez-vous cher ami? Je vais ranger ça, je peux même limite mes flèches comme ça pour ça. Comment allez-vous? Je suis tombé amoureux, mais je sais déjà que je vais m'approcher que... Déjà que je vais m'approcher de cette personne. Oula, j'ai un petit problème, j'arrive pas à comprendre cette phrase. Mais je sais déjà que je vais m'approcher de cette personne. C'est bizarre, je risque d'exploser. Mais je sais déjà que je vais m'approcher de cette personne. Bref, ce n'est pas grave, je risque d'exploser. Je ne sais pas quoi faire. Oh, d'accord. Tu pourrais peut-être porter une armure pour ne pas être contre elle. Mais oui! Si cette personne porte un plastron en diamant, je pourrais peut-être m'en approcher sans risque de la blesser. Tu peux donner un plastron en diamant à Mélanie? Oh, Mélanie, c'est pas la fille qui est assise à la piscine? Elle est assise au bord de la piscine, ah mais si, c'est elle, voilà. Elle avait une quête avec elle aussi. Oui, le cupidon va s'en occuper, le cupidon, oui. Allons voir la Mélanie. C'est vrai que la Mélanie aussi, je crois, a une petite quête rigolote. Voilà, son mari. Il faut retrouver son mari, mais cette quête, je la connais déjà. Son mari est juste ici, voilà, je sais, c'est un petit peu de la triche. Et non, je ne vais pas la faire parce qu'il faut lui donner de l'alcool ou un truc bizarre, je crois, pour pas que sa femme sente qu'il soit alcoolisé. Je vais retourner à Phoenixia, je vais retourner chez moi. C'est par où déjà? J'ai perdu le chemin. Nous allons donner un plastron à ce personnage. Par contre, je ne sais plus s'il fallait donner à Mélanie directement ou au squelette. Peut-être au squelette pour qu'il puisse donner à Mélanie, je ne sais pas. Alors, nous allons déjà... chez nous, parce que le cupidon est généreux. Normalement, j'ai des diamants ici. Nous allons poser ça. Ah, j'ai pas des plumes. J'ai des plumes. Oh, le cupidon a des plumes. Ça devrait marcher comme ça. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Normalement, c'est 8. Il me manque une table de craft. Ah, oh, nous allons faire une armure en diamant. Enfin, un plastron en diamant. Oh oui. Un plastron en diamant. Ça coûte cher, ce truc. Ah, oh, le plastron pour l'amour. Oui, retournons-y. Et peut-être qu'on va faire aussi en même temps la quête de Mélanie. Il faut retrouver son mari, son mari, qui est en fait bourré. Ah, retrouvons ce magnifique petit squelette, mais non, c'est un creeper. Ce petit creeper de l'amour, oui. Alors, est-ce qu'il faut lui donner?
Non, c'est pas à toi, c'est à Mélanie qu'il faut donner, d'accord. Mélanie, j'arrive. Je vais vous donner ce cadeau. Merci beaucoup, j'étais tellement inquiète. Ah oui, c'est vrai qu'on allait les voir le truc, mais. Ah, il m'a une pièce de bronze, mais. Oh! C'est comme ça, donc ça rend deux diamants, lotion pour le corps, ou. Et un œuf de villageois. Oh! Oh, ça c'est de l'amour. Je vous ai donné des diamants et puis vous m'avez donné un enfant. Enfin, c'est un œuf, mais c'est un enfant. Voulez-vous l'enfant, monsieur le creeper? Vous avez un enfant. Non, je ne veux pas. Alors, la lotion pour Elena. Je crois que celle-ci, j'avais déjà fait cette quête. Il me semble que cette Elena se trouve. Je crois qu'elle est. Ah non, je sais, je me souviens. Elle est ici. Oui, j'ai triché. Bon, on va faire le tour. On va aller on va faire les cheats. Nous allons donner cette lotion de l'amour à Elena. Elena, oui, vous, je crois que vous êtes là, Elena, normalement, si je me trompe pas. Voilà. Oh! Merci. Ah, oh, et encore de la. J'ai cru que j'avais perdu mon truc. Encore de l'argent. Oh oui, je suis riche. J'ai des pièces de bronze. Oh. C'est 100 ans d'amour. Et je crois que j'ai suffisamment de temps. Je ne sais pas. Est-ce que je vais faire. Je vais faire. Oui, je vais aller voir le. Ouh. Non, il veut pas. Bon ben, je crois que nous allons nous arrêter là pour cet épisode. Qui a été presque une double quête, hein, quand même. Hein. Oui, je savais déjà au LTS que j'ai déjà fait la quête de la lotion, c'est pour ça. D'ailleurs, nous allons maintenant retrouver notre cher ami ici présent, qui, je pense, est d'accord pour qu'on puisse lui parler. Donc, on se retrouve la prochaine fois. Enfin, je veux dire, on se retrouve demain. Pour les nouvelles aventures et les dernières aventures de l'amour. À demain.